Et ben voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on se fait des amis. Donc j'étais acheté un paquet de clopes en ville, parce que le monsieur qui tient les chameaux ici, qui a son stand, il n'avait plus de cigarettes, donc j'ai acheté un paquet qu'on a partagé maintenant, mais je lui ai laissé le reste. Et comme ça, voilà, j'étais assis avec eux, on parlait de chameaux, de désert, de touristes, tout ça. Mais demain, je suis sûr que si je range ma tente, je fais mon sac, je pourrais laisser les affaires chez eux pendant que je monte la colline. Comme ça, je prends avec moi que le nécessaire, c'est-à-dire de l'eau, et on fera la balade demain. Allez, yallah, c'est parti. C'est le matin, le soleil commence à se lever. J'ai laissé mon sac avec mes amis éleveurs de chameaux. Et on commence la randonnée pour monter les dunes de sable. J'ai pris avec moi que 3 bouteilles d'eau et rien d'autre. J'ai un t-shirt au cas où aussi. Mais voilà, rien de plus. Donc on va voir maintenant le désert, le vrai désert. Apparemment ça prend 2 heures pour monter, donc je suis parti pour la journée quoi. À pied, monter, on reste un peu au-dessus, et puis on redescend, et on va voir la suite de la journée. Allez, souhaitez-moi bonne chance hein. Il fait pas encore chaud, mais franchement la marche dans le sable c'est fatigant. Vous voyez la sensation qu'on marchait sur la plage? Et ben la plage elle fait quoi, 100 mètres maximum à la mer du Nord quand c'est la marée basse, 200 mètres. Et ben ici vous faites des kilomètres comme ça et vous vous enfoncez dans le sable avec chaque pas. Donc heureusement que je suis parti tôt parce que j'imagine pas cette marche avec le soleil. On va voir pour le retour si ce sera plus difficile ou pas. Même si déjà maintenant je commence à fatiguer. Alors que la grande dune n'est que devant moi. Allez. Parfois en Belgique, les profs de géographie en primaire racontent aux petits enfants que les vents sahariens emportent le sable du désert jusqu'en Europe et que parfois les Espagnols, s'il y a beaucoup de vent, ils ont le sable du Sahara dans les dents. Les petits enfants regardent le prof à chaque fois et ils se disent mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, du vent qui emporte le sable du Sahara jusqu'en Espagne, c'est quoi, 700 km, 1000 km? Il est fou celui-là. Et je vais prouver que c'est la vérité, regardez. Aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de vent, mais croyez-moi quand les vents sont très forts, le sable ici au Sahara, c'est presque de la poussière. Alors ce que racontent les profs, eh oui mes enfants, c'est la vérité. À environ 30-40 km par là, c'est-à-dire vers l'est, c'est la frontière avec l'Algérie. Bon, je voulais dire, je suis descendu de la colline, donc on est quoi, une heure après, une demi-heure après, une heure et demie, je sais pas, mais le sable ici en bas en tout cas est beaucoup plus chaud, je suis toujours pieds nus et je le sens beaucoup plus. Quand je sens le sable, je vois qu'il est à peine 10 heures et que ça brûle déjà, alors je me demande qu'est-ce que ça doit être l'après-midi. 14h, 15h, 16h, quand le sable a bien chauffé pendant toute la journée, à mon avis, on pourrait cuire cet œuf. Bon voilà, moi je suis pas un fou non plus, je compte pas rester ici toute la journée. Je retourne en ville, parce que voilà, faut pas être fou quand même, et se déshydrater ici alors que je suis déjà crevé. La montée, elle m'a vraiment tué. Je suis peut-être pas un grand sportif, mais je suis pas une feignasse non plus, et croyez-moi, j'ai eu du mal quoi. Je me suis arrêté. Vers la fin, vous arrêtez tous les 10 mètres parce que vous n'avez plus le souffle et que vous vous enfoncez tellement dans le sable que les muscles ça tient pas. Bon, je crois que je vais remettre mes chaussures parce que le sable commence vraiment à brûler. Allez, tout de suite. Et voilà, on revient du désert. Franchement, c'était super beau, mais épuisant. Je pensais que au-dessus, j'allais m'écrouler, mais vraiment. Du coup, je suis pas resté trop longtemps pour ne pas jouer avec la chaleur. Je préfère éviter. Moi, je tiens bien la chaleur quand il fait humide, mais sec comme ça. Je commence à avoir mal de tête et tout ça, donc je préférais éviter, surtout que j'avais que de l'eau avec moi et rien d'autre. Mission accomplie complètement. Maintenant, il nous reste le chemin du retour, mais je vous en parle au moment venu. Et pour le moment, voilà. Ah oui, petite chose sur Merzouga, peut-être que vous ne savez pas, mais le Raid Dakar. Hop, attendez, parce que je vois un petit oiseau tout joli. Il se bat avec une montre religieuse en fait. Je vais vous montrer ça, elle est trop belle. On va laisser l'oiseau la manger. Faut pas être traumatisé, hein, c'est le cycle de la vie. Les oiseaux, ça mange les insectes. Puis les oiseaux sont mangés par des trucs plus grands. Oui, donc je disais, Merzouga. Je sais pas si vous saviez, mais c'est ici que passait le Raid Dakar jusqu'en 2006. Et oui, l'ancien Raid Dakar. Dakar de nom. Comme tout le monde sait, Dakar, c'est la capitale sénégalaise. Et donc le Raid Dakar, il partait de Paris. Je sais plus, je sais vraiment plus d'où il partait, mais qu'il part en Europe. Et il passait justement par le Maroc, par la Mauritanie, jusqu'au Sénégal. Et ben il se fait que juste derrière la colline qu'on a montée, ben c'est là que passait le Raid Dakar jusqu'en 2006. Donc quand même, hein, c'est un endroit assez spectaculaire qu'il faut voir. Bon allez, moi je vais me reposer un peu. Là je vois déjà les éleveurs au fond. Je vais laisser, je crois, mon petit sac avec eux. Et je vais me reposer dans un café avant de reprendre la route. Comme ça, ce soir, on est de nouveau à Rachidia, Inch'Allah.